Allez, 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 dollars. Allez, dépêche-toi, là. Mais c'est bon, je les ai. Bon, vas-y, prends-les, vérifie pas la liasse. Vous voyez le mec avec la casquette? Je crois que c'est le mec qui nous a dit ici, c'est chez nous tout à l'heure. Donc il est dans le groupe des Marcello. Toutes les missions que je vais te donner, le venu, je touche une part. Je te défends en te fournissant. Et que tu arrives à lui dégoter 5000 balles, bah, je vais te demander 500 balles, vois-tu. Bonjour. Bonsoir. Je t'ai pas oublié. Hein? T'arrêtes de parler de Hayat. Parce que Hayat, je l'aime. On va vous laisser tranquille pour l'instant. Ne faites pas de bêtises. Non, bah non. Ouais, salut mon pote, tu braques, tu mets le katana sur la gorge. Allez, suis-moi. Il a pas mis de masque. Voilà, parfait, nickel. Ça va être n'importe quoi. Moi bien, Ernesto, là, on va faire la banque centrale. À partir du moment où on va faire la banque centrale, toi, t'es notre otage incessamment sous peu. Ce qui va se passer... Il a signé le contrat. On attend le requin. Le requin. Le 10e braquage de la semaine. Une formalité pour nous. Bon, et je préfère le dire tout de suite. Inch'Allah, ils sont sur. T'es professionnel ? Et s'il y a un groupe qui sont sur pas... Bah, bon courage. Bah, bonne chance. Personne lâche les blases, personne ne dit rien. Bien sûr. Voilà. Nesté, on va te dire un truc, c'est la vérité. Moi, je fais ça, c'est pas vraiment pour le business, c'est pour ma femme qui est au bled. Ok ? Hayat. Elle est à dire. Hayat, ça s'appelle. Ouais, requin. Bon, on y va. Allez. Si c'est pour elle, allez, c'est parti. Écoute-moi bien, Tigro, va bien te faire enculer. C'est bon. Bon. Je crois qu'il y a des trucs que j'aurais jamais dû te dire. Eh bah putain. Le topo, on arrive dans la banque. On braque tout de suite les mecs de guichet. Ouais. On casse les caméras, après, non? On se donne des offres. On casse les caméras ou pas? Le seul moyen de casser les caméras, c'est de tirer dessus. Ah ouais, non, mauvais dealer. De toute façon, on est masqué, on s'en fout. Mais ouais, on est masqué. Excuse-moi, tu as dit que tu étais du bled, donc ça veut dire que tu es musulman. Ouais. Non, pas forcément. C'est un musulman. Tu connais des prières pour que si je meurs, comme ça, je... Mais tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. On sait jamais. On est les professionnels, c'est la vie qui aime tomber aujourd'hui. C'est rien, ça, pour nous. Regarde, la banque centrale, tu la vois ou pas? Ouais, sauf que tu t'es... Oui. Tu vois, vas-y, place bien les voitures là. Dans quel sens? L'autre côté? Oui, n'importe, wallah. Non, mais là, il y a vraiment pas de plan. Non, mais c'est bien là. Mais là, à côté, ouais. À côté. Mais là, dos, cul à cul avec la voilà, nôtre. Voilà, cul à cul, ouais. Faut la twerker. Voilà. Allez, c'est bon. Viens, Nesty, viens. Descends. Attendez, je vous donne votre sac. Va au fond, toi. Tiens, tu me l'as donné à moi. Ouais. Viens. Mets-les par terre quand c'est comme ça. Viens, requin, viens. Ouais, merci. Bien, je te donne. Arrête de pointer. C'est mon sac à dos. Tiens, j'ai ta pochette. Vas-y, tiens, mon pote. T'inquiète pas, Nesty, ça va bien se passer. Hein. Vous avez l'ordinateur pour pirater le truc? Ouais, c'est vous qui avez pris. Ouais. Qui le fait? Vas-y, Z. Va le faire. Quoi? Non. Mais non. Mais non. Les gars, les caméras. C'est un braquage. Otage, viens. Nesty, viens. Z, tu sais le faire ou je le fais? Attends, requin, pousse-toi. Tu sais quoi? J'ai déjà envie de l'enculer là. Requin? Pourquoi? Requin, pousse-toi, s'il te plaît. Z. Requin. Vas-y, pousse-toi, l'otage. Voilà. L'otage, regarde, vas-y, assieds-toi. Pousse-toi. Non, mais mets-le au fond, tu peux pas le mettre au fond, ça. Mais non, mais comme parce ça, ils voient. Non, mais la police, ils vont voir ça, ils vont dire. Ok, ça marche. Attends, viens là. Ouais. Voilà, tu vas là devant ici, là, ok, hermano. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Je le mets devant. Là, voilà, là, comme je ça. Je le mets là, comme ça, vas-y. Radio, vas-y, vos en êtes où? Vous avez commencé? Voilà. Je te l'ai donné le téléphone. Ah oui, c'est vrai, pardon. Vas-y, c'est bon, on s'en occupe. Arrête de lever les mains. Mets un masque. Moi, j'ai pas de masque. Il y en a un, mets-toi comme ça. Ouais, ça va pour les mecs tranquilles et tout. Hey, écoute-moi bien, ce que tu vas faire. J'ai pas de masque. Ce que tu vas faire, ils vont pas savoir c'est qui l'otage, ok? Ah ouais. Et voilà, je suis dans la merde. Attends, je te passe un masque, attends, bouge pas. Voilà, ils vont pas savoir c'est qui l'otage. Tiens, mon pote. Putain, tu me l'as donné à moi. Bah donne-lui alors. Ouais, j'ai des balles. Vas-y, c'est bon, je vais les chercher. C'est bon, j'en ai. C'est bon là, vous avez commencé? Ouais, c'est bon. Tiens, t'as réussi? Ouais, c'est bon, j'ai commencé. J'ai tenu toutes les balles. Ah non, c'est bon. C'est bon, t'as réussi, hein. Allez, vas-y, bon courage. Ils savent vraiment pas à qui ils sont attaqués. Hein. Les gars, par contre, c'est une très mauvaise idée de montrer l'otage, il est trop visible. Ah bon? Vas-y. J'arrive pas à mettre le masque. Vas-y, au fond, va au fond, l'otage. Ok. Alors, voilà. Mets un masque, l'otage. Il arrive pas, il a... Tu mets un masque et donnez-lui un sac à dos aussi. J'en ai pas des comme ça, moi. N'importe quel sac à dos. Ah ouais, bah vas-y alors. Bah donne-lui, toi, t'en as un, non? Donne-lui. J'en ai un. Bon, je suis radio, les mecs, je vous dis s'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Pour le moment, on s'y calme. Hein. Eh, vous voulez que je négocie, les mecs?
Voilà, tu ramasses. Tu ramasses et tu mets le masque. Et tu vas te dépêcher. Je pense, mon pote, on va devoir négocier tous les deux. Ouais. Tu me fais pas confiance? Les caméras, ils sont là. Ils sont là, en fait. Mais les caméras. Attends, mais ils sont là, en fait. Bah oui, mais les caméras. Non, mais c'est bon, on est masqués, tranquille. Comme ça, ils savent pas ce qu'on fait. Bon, ils sont déjà là. C'est bon, ils sont là. Oui, mais au moins, ils savent pas ce qu'on est en train de faire dedans. Ah ouais, bien vu. Bah là, je vois Dieu, là. Zed, ils vont aller. Dis-leur de venir. Comme vous pouvez le constater, c'est un braquage. Je vous invite à vous rapprocher si vous voulez discuter un seul d'entre vous, c'est tout. Deuxième voiture de police qui arrive. Oh merde. Un négociateur. Hein, t'as dit quoi? D'accord, appelez un négociateur. Ouais. Par contre, commencez pas à faire des entourloupes, d'accord? Non. T'es sur la voiture. On a un nombre indéterminé d'otages. Ah, ils vont très très bien. On vous les montrera en temps et en heure. La bouffe. Là, ce que je vous invite... Dès que le négociateur il arrive, je vais lui demander déjà un premier truc. C'est d'être... Ouais, pas de souci. On va la réussir, cette putain de banque. Alors, il a des couilles, hein. Les premières choses que je demande, c'est à manger, à boire pour les nombres indéterminés d'otages et des trousses de soins aussi jamais si on a un qui fait un malaise. Voilà. Des plateaux repas... Je regarde ce qu'il faisait. Regarde, il ferme à gauche, il met des barrières. IPS, j'aime beaucoup. Merde, il va replacer la barrière. Ok, c'est bon. Tout est calculé. Il y en a deux à droite, deux là, à tout droit et à gauche. Bon, je vous fais confiance. J'attends que le négociateur il arrive. Regarde. La voiture noire, ouais. Elle fait droite, c'est bon. Non, là, si vous avez entendu des coups de feu, vous avez ma parole d'honneur. Elle va tout droit. On est tiré sur les caméras de surveillance. Une voiture sur elle, voire deux. Voilà. Je pense que. Ah non, elle a fait droite, elle va la suivre. La voiture qui est dans la merde, c'est la blanche. Oui. On prend la blanche. D'accord, pas de souci. On a des couilles, nous, on n'a pas des couilles, nous. On a des couilles, là. Check. Moi, je te dis. Voilà. Vas-y. Bon. Bon, les gars, vous avez compris, je parlais à la radio pour que vous écoutiez. Oui. Bon, alors, les topos. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer un négociateur. Par contre, j'ai bien fait la vision panoramique. Il y en a déjà un qui s'est ramené avec une M4, ça fait plaisir. Et ils sont au moins 5. Par contre, il y a quelqu'un qui a une vue sur l'otage. Non, en fait, non. Ça va, il est bien. Ah, pardon. Oui, j'ai bien mal aux jambes. Ah oui, donnez-lui un cahoué aussi, non? Ça fait plaisir, ça. Ça va, l'otage. Par contre, y'en a, il pirate depuis 3 heures, il a pas. C'est bon, c'est ouvert. Voilà, vas-y, fais voir. Attends, 30 secondes et ça s'ouvre. va regarder. L'otage, il est posé, parce qu'on dirait qu'il est puni. La police toujours en place, hein, ils ont pas bougé, ces fils de pute. Les gars, c'est ouvert. Yeah. Voilà, Hayat, elle va être fière de toi. Chut, une police. Les gars, on a commencé à rentrer dans la banque. Ok. Moi je suis avec. Il fait un selfie le flic là-bas là. Ah, c'est surtout qu'il est en train de zoomer sur ta gueule. fais l'air coucou. Salut mon pote. Salut, votre haram. Je suis mort. Moi je pense que. Au moins ils savent on est combien. Mais là ils ont pas tout l'aperçu là. Là, ils ont pas tout l'arsenal. Hein. Bon. Viens, on fait la technique de Z. On reste. Quelqu'un reste dans la banque. Non, ben. Là, pour le coup, mon pote, c'est une très mauvaise idée. Je sais pas, je propose comme ça. Hein. Ouais, je vais bien, mais gardez pour toi. Et là, je crois. Tu voulais quoi? Inch'Allah, on va pas au Heps, incroyable, hein, en vérité. Hein. Là, on rigole, incroyable, ouais. Mais. Ouais, c'est vous mieux rigoler. Hein. Il est en train de zoomer, tu sais quoi? Viens, on lui fait un bon. Ouais, attends, je reviens. Les gars, l'otage, il a une bonne idée là, l'otage. Non, il a dit quoi? Il fait quoi? Il a dit, si vous me prenez avec vous masqué quand vous partez, il va pas vous tirer d'un otage. Ouais, la vie de ma mère, je kiffe braquer des banques, c'est trop bien, j'adore. Il est bien, l'otage, il donne des idées. Non, mais c'est bien, tu proposes bonnes idées, on est d'accord. Hein. Ouais, mais du coup, t'as d'autres idées comme ça ou là? L'otage qui donne des idées. Ah là là, je vais te raconter ce que j'ai fait dans ma vie, petit. Non, c'est bon, je vais m'asseoir.
Ah, mais c'est pas qu'il va mettre le canapé et tout. Alors, le négociateur, il est au Néo. D'accord. Bon, alors, moi, je vais te raconter un peu ma vie. J'ai ouvert le coffre. Bien joué, bien joué. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, je suis en train de prendre la tuile. Bien joué, bien joué. Ah oui, je vous entends. Hein. Il a dit, il est né à Tizouzou, pas loin d'ici. D'accord, d'accord, pas de soucis. M4, M4 en vue. Oh là là. Ouais, merci, ça fait plaisir. Je compte. Une fois qu'on aura ça, vous avez ma parole d'honneur, on va vous montrer le premier otage. Et vous allez voir qu'il est en très bonne santé. Il donne même des idées. Voilà. J'ai travaillé à Sidi Bou Alem. $16,000 $16,000 C'est fini là, c'est fini. 16 000. D'accord. Ouais. Oh ouais. Comment ça, c'est... Putain, on a fait que 16 000. Putain, hier on a fait mieux avec les cyperettes, hein. Ah ouais, 16 000. Okay. On a fait ça, les gars, pour $16,000. Tu parles avec les... Par la radio. Bonjour, monsieur. $16,000. Il n'y a aucune revendication idéologique. On n'est pas des terroristes. On est là uniquement pour l'argent. D'accord. Donc, il va se passer que on va vous demander... Rançon otage. On leur demande une rançon pour l'otage aussi, pour les fins de mois. Ouais, ouais, demande une rançon de $5,000, là. Ouais, une rançon pour l'otage aussi. Parce qu'on a que 16 000, là. Alors... On va commencer par une première revendication, s'il vous plaît. Et ça, ça concerne uniquement les otages. Alors, on va vous demander 10 jus de carotte et 10 huîtres. Et, ouais, et il faudrait également 4 trousses de soins. Au cas où, si possible, au cas où il faut des malaises, comme ça on s'occupe de tout de suite. Voilà. Les vrais entrailles. C'est le premier truc qu'on vous demande. Une fois qu'on l'a, on vous montre l'otage, on vous montre qu'il est en bonne santé. Et après, on vous montrera les autres. Voilà. Putain. Ah oui, ah ouais, bien sûr. Là, il y a un climat de confiance qui s'installe. Ça fait plaisir. Il a dit du jus de carotte, du litre. Et des trousses du soin et tout. J'ai une idée. Il faut vraiment qu'il sache. Il y a une automobile dans la banque là ou c'est moi qui arrive? Mais il y a une voiture dans la banque. Tu viens ici. Faut pas qu'il sache qu'il y a un quatrième mec avec nous. C'est RZB. Oh non, mais là, ça le truc, là, je le sens pas. Ça, les gars, je le sens vraiment pas. Côte-les-Bers. Oh putain. Ouais, je crois que... Vous m'expliquez, on fait quoi en fait? On peut appeler un dépanneur ou pas, là? Mais non! Oh, vous m'expliquez, on fait quoi en fait? Putain! Mais c'est... pourquoi ça tombe toujours sur nous, les trucs comme bon, ça, c'est là? Pas grave. C'est pas grave, on fait comme si c'était une idée. Oui, comme si c'était une idée. Alors, je vous explique. L'otage, le premier otage qu'on va montrer, ça va être l'un d'entraîneur. Ouais, il va se déshabiller à poil, d'accord. Il va mettre un masque avec des lunettes, comme ça on voit pas son visage. Et on va faire... Y'a qui peut changer de voix? Lui. Moi, je suis un bon changeur de voix. D'accord, il faut qu'on te donne... Mais ils vont savoir, j'ai une arme, ils m'ont vu avec une arme, moi. Mais non, mais si tu te changes, t'es bête ou quoi? Tu vas te déshabiller, espèce de connard. Ah, ouais. Va derrière, on va tous derrière, viens. Vas-y. Oh là là, on est vraiment pressés, hein. Vas-y, Inch'Allah, elle explose pas la voiture. Putain. T'as déjà braqué avec une voiture dans la banque ou pas? Ben non, jamais. Tiens, c'est pas première. Oh, on la prend en otage, j'en ai rien à foutre. C'est un otage aussi. Yeah, ils ont ramené le gros camion. Ah ouais, ah, c'est bon. Les gars. Ouais. Les gars, j'enlève ma cagoule. Ouais, enlève la cagoule, ouais. Tu l'as juste tes grosses lunettes là. Et je garde mon arme. Les gars, j'ai un problème. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de pisser? Va pisser alors, ouais, il faut que j'aille pisser toujours. Va pisser. Putain, c'est nab. Pourquoi ça arrive qu'à nous? Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi y a une voiture dans la banque, frère? Pourquoi y a gros camion? Ça va, Nesty? Ça va. T'as besoin de quelque chose? Pourquoi y a une chicha téléphone? Hein? Ah, là-bas. Voiture je sais pas, je comprends pas, il se passe des trucs bizarres. Mais t'inquiète, on va gérer. Là, tout se passe bien, ouais. Ok? On est en train de négocier, ouais. On a ramené la bouffe, etc. Après, on va te montrer pour voir que tout va bien, et après, on va tous se casser. Ouais. Donc, et moi je vais rester dans la banque ou je vais... Non, tu vas, je pense que tu vas venir avec nous, je pense. Ouais, parce que sinon je vais mourir. Non, vous pouvez reculer. Pour mourir. Merci. Si je reste ici. Non, t'inquiète pas. J'ai un sac à dos. Ouais, non, t'inquiète. Tu sais que j'ai un couteau dans ma poche. Ouais, attendez, bougez pas. Je te jure, c'est pour ça que j'ai dit je vais mourir. C'est moi, je suis là, les gars, je suis là. Bah attends, vas-y, donne-le-moi, attends, hop. Voilà. Il veut une vue sur l'otage. Attends, je te donne mon couteau, non? Ouais, vas-y, donne. Tu me l'auras après? Promis, je te l'aurai après. Vas-y. Vas-y, check. On est ensemble. Check. Vas-y, appelle-moi Tigrou. Oh. Ouais, toi c'est Nesty, n'oublie pas. C'est quoi Tigrou? Je t'ai rien, t'es gentil.
Bon, bon bah laissez-moi préparer l'otage et je vais le montrer. Petit gentil, depuis tout à l'heure. Les gars, les gars, je vais juste vous demander s'il vous plaît de reculer un peu loin. Comme ça. Je vais juste voir mes collègues, j'arrive, ok, bouge pas. Ouais, ouais. Ouais, ligne jaune, c'est bon. Gars, moi je suis grillé avec mes lunettes et mon bonnet. Mais tôt. Non, mais non, ça passe, t'inquiète, ça passe. On t'a dit un masque, pas un bonnet, mon pote. Mais tu m'as pas dit de mettre un masque. Mais si, on t'a dit de mettre un masque. Ah. Mais si, yallah, mets un masque. Mets un masque, enlève même tes claquettes de chaussettes. Je vais même te donner tes vêtements. Yallah, yallah. Que des chaussures, c'est bon. Hein? À poil, non, vas-y, mais c'est pas grave, vas-y, j'y vais à poil comme ça. Vas-y, à poil, vas-y, à poil. On enlève les claquettes quand même, non? Non, tu peux les garder. Non, t'as pas d'autre masque? On veut pas qu'il attrape de l'herpès au pied quand même. Non, mais attends, attends. Voilà, ah, là, c'est bien, là. Voilà, c'est bon. Là, c'est parfait, là. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, fais un mec, tu me menottes. Ouais, break, ouais, break attends, tu... Non, attends, attends, je t'ai brûlé. Attends, je peux le menotter, j'ai des menottes. C'est bon, c'est bon. C'est possible, non, levez les mains, c'est bon, c'est bon. Pourquoi tu prends une autre voix? Ouais, ouais. Comment? Des protos. Vas-y. Fille Hermano, c'est tout. Allez, avance. Hermano. Allez, avance, fils des putes, va. Eh, hola, hola, tranquilo. Eh, vous allez voir. Ça va partir en couille. La oula, tranquilo. Et la vie de ma mère, arrêtez. Sauf tes gueules, mais tu as genoux. Mais tu as genoux, va. Et arrêtez, tranquilo. Je vais te tirer, je rigole pas. Santa Maria, suis Santa Maria, arrêtez, putain. Je suis la vie de ma mère. Tu vas mourir. Je suis la vie de ma mère. Et la vie de ma mère. Arrêtez, putain, je vais pleurer. Parle radio, s'il te plaît. Putain, parle radio, mon pote, comme ça on entend. L'otage, parce qu'il est derrière. Il y a une voiture derrière moi. Mais qu'est-ce que. Je pense, hein, il a juste un petit conflit conjugal avec l'un de mes potes. On va essayer de régler ça et on va voir si on veut le donner en premier. C'est bon, rentrez l'otage là. Allez, viens là. Au fond, puisque la vie de ma mère, il fait que de gueuler, je vais le niquer. Je rigole, c'est juste pour lui mettre un coup de pression. Allez, rentre, va là-bas, va au fond là. On est dans la merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il demande d'avoir le visage. J'ai jeté le masque, venez le récupérer. Putain, va lui donner, vite. Parce que là, ça prend trop de temps pour un mec, il faut qu'il enlève son masque, vite. Renez. Oui. Je sais même pas pourquoi on se prend la tête, on a les 16 000 dollars ou pas là. Ben ouais, clairement, c'est fou là, c'est bon. Je pense que dès qu'on a une ouverture, une fenêtre déterre, ou c'est pas. Les gars, ça, la vraie ouverture là. Ouais. Quoi, il avait pas demandé 5000 dollars en plus, non? Parce que, pour le votage, quoi, ouais. Ça fonctionnera pas, mon pote, on est dans une banque. Ok. Non, mais au pire des cas, au lieu de faire tout ça, au bout d'un moment, on sort tous dehors, on monte dans une voiture, on s'arrache et c'est tout. Mais la tête de ma mère, je pense que c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Là. Bah, ouais, vas-y. Attends. Écoutez-moi bien, d'accord? Et dès que l'otage il est avec les flics en train de montrer sa gueule, on monte tous dans les voitures, on s'arrache. Vas-y, ça marche. C'est qui va piloter là? Moi je pilote la sultan noire. Moi je pilote la blanche. Pff, alors là voilà. Je vais avec la noire direct, mon pote. Monsieur le négociateur, ça prend 26 ans, je suis désolé. Parce que comme vous pouvez le constater, en fait, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, et ça crie des. Ouais, ça va peut-être exploser là, même. Par là. Bah, en fait, on essaie de le faire passer pour déchirer la voiture, mais il arrive là. Putain, Nadine Bebek, dépêche-toi vite. Non, il arrive pas à venir. C'est pas de sa faute, les gars. C'est bien. Il est en train de insulter tous ses grands-parents. Voilà, c'est beau là. Vous êtes prêts? Dès qu'il est à côté de lui, on s'arrache. On sort tous en même temps déjà. Vas-y, l'otage. Mon masque? Non. Pas pour. Non, garde-le. Garde-le. Avance, ici. Vas-y, rapproche-toi. De lui. Il va se rapprocher de lui. Donne-moi à boire d'abord, À boire, à manger, s'il te plaît, à boire, à manger, vite. Un. Ok, dès qu'il s'approche, dis-lui de s'approcher, dis-lui d'aller se coller à lui. Oui, ils m'ont pas fait de mal pour l'instant. Vas-y, va, va. Alvarez. Requin, fais le tour. Approche-toi de lui, là. Ouais. Approche-toi de lui, on t'a dit. Encore. T'es mort. Allez, c'est parti, les mecs. On y croit, là. Allez, les gars. Oh Mino. Putain! Mino! Arbo. Putain! Oh putain! C'est bon, moi j'ai réussi! Oui! Allez hop, on court, chacun pour sa gueule, les mecs! Putain, ils ont crevé les pneus! Mais non! Allez hop! Descends ou t'es mort! Tu bouges pas! Ah, j'ai mis ce clic. Arrête de tirer.